Et voilà, on est arrivé à Milan, dans le super appartement. On peut voir, il y a la télé où il parle italien, je comprends rien du tout. Là-bas, c'est Eva, le petit bœuf. Là, c'est le mur vert. J'ai le poids d'aller dans les autres pièces. Eva, tu vas le montrer, les autres pièces? Ici, il y a ma maman. Je fais comme les youtubeuses, Félix. Mais attends, je trouve pas la lumière. Ça sert à quoi, ce manche? Bon, c'est pas grave. Ok, voici la cathédrale de Milan, le Duomo. En position du lotus. Mets-toi à côté. Ouais, t'as grandi. Parce que moi, je fais 1m68, donc t'as grandi. Ouais, Félix, t'es tranquille. Ouais, on va arriver avec 2 heures, hein. C'est une blague. Ouais, c'est chiadé, Didier. Tu prends les boutons. Bof le paysage, hein, Carla. Non, franchement, ça va. Ça va? Ouais. Limite, hein. C'est trop fatigant. Ça monte. Il faut surtout pas lâcher des scuds, là. Fais la fin le monde. Ouf! On est pas mal ici. Oh, je vais tomber. Ça va? Mais il faut le muscler, va, il n'y a rien de mieux que ça. Oh putain! Ah, c'est meilleur! Quand hein. Je suis rentré dans la faille. Ah, tu es rentré? Je suis rentré, le signal est bon, et après, à un moment, tu sais, il y a le caillou. Ouais. Je voyais plus rien, j'ai mis plein gaz. Je sais, parce que j'ai pu ressortir. De vol, hein? Non, parce que je me suis fait. Tu savais que ça allait. Si mon grand-père avait vu ça, il aurait des bails. C'est pas possible, hein? Vous allez bien? On se prend au ski, tu sais? Au ski. Ouais, le ski, c'est un ski, voilà. C'est un ski. Et son neige. Son neige. Voilà. Ouais, ça fait bizarre de monter sur un truc comme ça, avec les chaussures comme ça, en short et tout, avec les lunettes de soleil, mais. C'est pas toi qui est bizarre un peu. Ben non. Regardez Eva qui court, ça arrive pas souvent. Hein. Regardez, regardez, regardez. Elle a du mal quand même à courir, non? Bah, elle a mal au genou, hein. C'est une handicapée. Hein. Alors, Carlos? Allez, mec, tu peux le faire. Allez, pédale. Oh putain. On a trouvé la galerie. Il est pour les rats. Pascal, c'est la seule à pas avoir de Ah, c'était vraiment super ces galeries. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tout seul? Ah, ouais, c'était effrayant. Tétanisant. Hashtag tétanisant. Surprenant. Surprenant et ah ouais. Super. Super. Moi je dirais. Fantastique. Fantastique. Mmh. C'était sombre. Sombre, pas mal sombre. On a vu un serpent. Un serpent? Explique, vas-y. Oh. Ton aventure non, avec le serpent. Tu sais, quand j'étais tout devant. Au début je croyais que c'était genre un caca. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il avait deux couleurs et une tête. Un caca à tête. Il y a peut-être un caca à tête. Wouh. Waouh, magnifique. Il pleut mais c'est beau. J'ai pas. Bonjour, bonjour. Ah, regardez le sommet. Là on a trouvé un super spot où on s'est baigné. Et là il y a un magnifique toboggan. Ça
C'est Aqualand. C'est dégueulasse en bas. Ah ouais? Ouais, c'est dommage. Je voulais de l'eau bleue, moi. Toi, tu sens pas mal, hein? Tac, 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 tac. Et au galop. J'ai failli perdre 2 douches parce que 1€ la douche pour 7 minutes, donc j'ai failli avoir perdre 14 minutes pour mes cheveux et tout. 14 minutes, mais tu n'as pas 14 minutes, c'est 8€. J'ai 2€, j'ai 2€. Hein, voilà, donc je suis trop chanceuse. Bon, on va se baigner après en rentrant au lac. On va se baigner dans le lac là où il y a plein de vagues. On va se baigner dans le lac. Ouais, avec le ponton. On va faire les saltos. C'est bon lui. Oh, c'est content ça. Hey, les nuages sont comme le temps. Oui. Ah, quel bon temps. Ça va bien. Tu me serres la patte. Alors Carla, qu'est-ce que t'en penses de ce petit brumisateur? Ça mouille, ça rafraîchit. J'ai prise déjà. Oh, ça c'était beau ça. Là oui. Non mais attends, ça veut dire qu'ils mangent quoi là-bas? Ils mangent quoi là-bas? Du croups. Ah. C'est une pâte de chien roulée dans... C'est toi le chien? Ah, on a envie de demain. Ah, on va faire alors sur la place demain à faire. Premier dossier. Ouh, ça c'est du Eva ça. Alors voilà Félix. Oh, c'est moi ça. Du vélo à dans this building. Yes. This is front door. Yeah. You yes. Came in on a front door. It's also a back door over there in the corner. Okay. So that goes on a back street. You can also come here from there. Okay. Sometimes it's easier. Like same. Yes. Traduction s'il vous plaît. Aujourd'hui on a fait 2 heures de route avec un petit bouchon. Donc on a fait la route de Bratis là-bas jusqu'à Budapest en Hongrie. Donc on va y rester 3 jours. Là donc on a vu notre appartement qui est franchement super. Il est très spacieux et tout ça. Et donc cet après-midi on va faire on va faire du vélo pendant 3 heures avec un guide français et à la fin on ira se baigner dans des bains chauds.
Ouais, tu sais, il faut regarder le... Voilà, voilà. Le petit programme. Ah, c'est ça, ce soir, tu vois, il grince pas. Mais non, il grince pas. En montagne, grince. Ouais. Et ce soir, eh ben, on va sûrement manger au resto ou peut-être, je sais pas. La Hongrie était riche et c'était aussi un grand empire. Le Parlement, par exemple, est fait avec seulement du matériel hongrois, pratiquement. D'accord. Donc, la France a été construite. Devine combien il y a de chevaliers. 7 chevaliers. 7 héros. S'il n'est pas là lundi avant 9h, on jette les clés. C'était génial. Et merci Perrine. Perrine. On vous recommande ce soir. Alors demain, regardez ce qu'on fait. Demain matin, on descend, on s'arrête au bord du Danube. On descend le métro. On fait le bord du Danube, on va voir les chaussures, il n'y aura personne, on va pouvoir venir regarder. Les chaussures, on va les essayer. On va au marché de Saint-Zbinsbo-Bar là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bon. Ça, et l'après-midi, on va faire Bouddha, la colline. D'accord, quartier bobo, et le soir on mangera sur Bouddha. D'accord. Et on ira faire le ben côté Bouddha. Et lundi matin, on va se décider, on va voir si on prolonge pas un peu plus, parce que comme on est deux jours à Zagreb et qu'on a beaucoup de route, on va voir, on en parle. J'adore Budapest. I try to let it go. On est où là? Eh ben les vins thermaux, hein, Budapest. Tu sais le nom là des vins ou pas? En gros, Skelenski. Ok. Donc là on vient des Belchovans de Budapest, donc non, de Pest. De Pest. Parce que dans Budapest en fait il y a deux villages, enfin deux parties de ville. Buda, c'est on va dire pour le quartier pour dormir cosy pour les bourgeois, et Pest c'est plus pour la fête, le travail et tout ça, et pour les gens un peu plus modestes. Ah ouais. Et là, ouais, et là donc là on vient donc ce matin, c'est ça, c'est les bains, hein. Ouais, c'est un des 17 bains. Ah, de là, c'est le plus grand, je pense. Je sais pas, je crois que c'est le plus grand parce que en fait il est juste énorme. Il y a une piscine centrale ou de, je sais pas, je dirais 20 mètres à peu près. Oh putain, ça tremble le sol. Ouais, le métro est passé en dessous. Ah ouais, c'est juste à côté. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là, on va vous parler de Budapest. Alors, Budapest, il y a deux villes séparées. Ok, merci, c'était fini pour la nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait sur la chaîne de Carlouz. Allez, ciao. Bisous, bisous. Kiss, kiss. Non, c'est pussy, pussy. Pussy, pussy, pussy. Ça. On a vu d'un. Donc là-bas c'est. Là-bas c'est Pest. Et là c'est. Là si tu me pestes, je te Buda. Buda, Pest. 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 Ça a l'air bon. C'est quoi ton truc là? C'est qui a vomi ici? La serveuse. Recommandé par le routard ou Pascal. Ah. S'il y a des réclamations. Ah, c'est... Tu fais quoi avant? J'ai mis des photos. Goodbye.
Bonjour, bonjour, donc nous sommes à Zagreb en Croatie et nous allons visiter cette ville aujourd'hui. Donc ce sera la dernière ville de notre périple en Europe. Voilà. Non, toi tu vas en. Oui, non, mais moi je vais à Venise, mais je veux dire ensemble. Ah, notre dernière ensemble, ville, ouais. Voilà. Effectivement. Voilà, voilà. Donc là, on se trouve dans un couloir. C'est un bijoutier Raja Vlad. Vladimir. Ah ouais. Donc on est loqué sur toute les familles parce qu'apparemment c'est la descente de la Vierge. Ouais, la Vierge Marie. Ah, la Vierge Marie sur Terre, non? C'est ça? Peut-être. J'en sais rien. Sur Terre ou sur Vénus, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Et il y arrivait quoi la Vierge Marie aujourd'hui? J'en sais rien. Je crois qu'elle est descendue sur Terre pour accoucher, non? L'Assomption. Pour accoucher, pour accoucher. L'Assomption, je crois que. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais je crois qu'elle s'est est... fait assomptionner. Assomptée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, le 15 août. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Arrête de faire des gros plans. Donc, et là, papa, on va faire quoi? On va visiter un marché, non? On va au marché de Dorlak. Voilà, Trzini. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Petite blague. Eva. Bogini! Da, zinot, pa skupo triš nakaš, viš? Puriška puška ja. Donc on a pris le bateau là et enfin au début on a pris le bateau là-bas, on a fait la croisière jusqu'à Peshira, puis on s'est arrêté parce qu'on savait pas où il allait le bateau. Donc on a marché, on s'est arrêté là, on s'est baigné là-dedans. Super hein. Elle est chaude, hein. Hey, papa, elle est chaude l'eau. Et après on va marcher ici. On va aller là-bas, peut-être au château. Non, je pense pas parce que c'est trop haut. Eva, elle est fatiguée. Et on va revenir peut-être et prendre le bateau là-bas. Ou on prend le bateau là-bas et on rentre direct. Ou on prend le bateau là-bas, il va là-bas et on rentre. C'est compliqué mais c'est ça je pense. Ce soir, Bruschetta. Bruschetta. Et peut-être l'apéritif italien. Ah, elle s'appelle l'apéritif italien. Ou la caméra. Ritz. Ça s'appelle comment? On parle plus fort parce que là. Ritz. On dirait qu'on est à la mer quoi. Il y a des vagues. Ah ouais, on est bien. On est où? Alors, on est sur le lac 10-0. On va aller manger des bruschetta. Qu'est-ce qu'il y a, petit bœuf? Je t'ai dit, donne-moi la bouteille. Ah, là j'ai oublié. Enfin, j'ai pas entendu en fait. Je l'ai dit deux fois. Ouais, j'ai oublié. On est bien ici. Petite baignade dans le lac de. Ah bah le lac majeur hein. Ah le lac majeur. Oh bah là on est sur une île, Isola Madre. Et là on attend notre bateau et je sais pas où il est. Et là, on lui a touché le nez. Et il y a d'autres parties qui ont touché les gens. Peut-être qu'ils ont essayé ça. Ah, ouais, il est un peu haut. L'orteil. Ah non, le bout du nez. Ah oui, et personne n'a touché les pieds. Hein. On peut voir qu'ils sont. Ah bah oui, moi jamais. Il est où le passe-partout? Le père Fouras, il est où? Il est où le père Fouras? Tout en haut. Allez, on monte. Allez, go. Parti.
Ok, donc là on est dans un ascenseur, l'ascenseur de la... de l'auberge de jeunesse, c'est ça? Oui. Je sais pas si on va... C'est pas très agréable là cette position, c'est un peu inconfortable. Oui, on est à la chambre numéro 9. J'ai oublié mon téléphone. Faut que je vais être... Je vais lui crier d'en haut. Super cool. Attention, elle marche. Et voilà notre magnifique chambre. Oui. Vous pouvez voir l'espacieuse très grande, de multiples lits et une salle de bain magnifique. Une douche à l'italienne. Et bien sûr, oh, mon téléphone qui est dans la bien sûr en option. En option, tais-toi Eva, chut. Je fais la présentation, regardez, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça Eva? Oui c'est beau. Pourquoi tu dis, pourquoi t'es chafouine? Arrête! T'es chafouine? Ah, je vais me doucher Prince. Tu vas te doucher, pourquoi? Tu pues? Non, moi j'y vais. Je mets quel t-shirt, le vert ou le bleu? Celui qui pue le moins.